les Let's Players, on se retrouve pour l'épisode 3 du Let's Play de Doctor Who. Voilà, donc pour la suite. Le Let's Play d'avant, j'étais vraiment nulle, faut le dire. Vous avez été gentils à pas me le dire dans les commentaires, d'ailleurs j'étais un peu surprise de ça. Hein. Mais bon, c'est que vous êtes des gentilles personnes et ça, ça fait plaisir. Et du coup, bah, je vais essayer aujourd'hui d'être un peu plus concentrée que la dernière fois, comme le lait concentré. Parce que voilà, c'était assez catastrophique. Alors par contre, le son il est hyper fort, donc je ne m'entends même plus parler. Je ne m'entends plus penser, ça ne va pas. Voilà, donc on était dans le, donc dans la ville des Daleks. Nous avons été jusqu'au maître là, enfin le boss, je ne sais pas trop comment l'appeler, le chef de tous les Daleks là, avec son œil et tout. Et on devait tendre un piège du coup aux Daleks pour parce qu'on a trouvé la façon qu'ils ont de voyager dans le temps. Je crois que c'était un truc comme ça à peu près. De toute façon, l'histoire, elle est pas... C'est pas la plus ouf de toutes, hein, de Doctor Who, mais bon, ça va le faire, ça va le faire. C'est toujours aussi fort, pardon. Donc là, voilà, il fallait qu'on tende un piège ici. Donc ils vont sûrement arriver dans ce truc-là, là, voilà, dans le truc. D'ailleurs, on va voir ce que c'est. The Dalek have already set up this magnetic field generators, but there's no power. We need to improvise. Donc ils ont déjà mis en place ça, mais il n'y a pas d'énergie dedans, donc ça ne va pas marcher. Ah, on peut prendre ça, donc ce sont des câbles, hein. Et c'est fait de dalécanium. Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est le dalécanium, mais je suppose que c'est un élément chimique qui compose le câble. Je fais bien la scientifique. Alors, donc, comment allons-t-on faire de ce truc, mais de chouette? Comment allons-t-on procéder pour les piéger? Alors, je peux pas passer par là. Est-ce que je peux jumper? Non, même pas. Alors, ok, donc le jeu, comme du coup, c'est un... On peut pas se balader vraiment partout, quoi. Du coup, ils font exprès de nous mettre des petites failles dans le sol, comme ça, pour dire, bah non, vous pouvez pas passer par là, ça sert à rien. Donc c'est un peu frustrant, mais bon, ça va le faire. Ah, non, je croyais que c'était un truc, ça, mais non, pas du tout. C'est une lumière. Donc ça, on peut examiner. Not so full of himself now. Is he... Ah oui, donc là, c'est le fameux, voilà, gros Dalek, boss final, qui était là-dedans. Parce qu'on a voyagé dans le temps, si vous avez bien suivi. This was the console that used to control the Eye of Time. Donc la console qui servait à contrôler l'œil du temps. Qu'ils ont volé, d'ailleurs, au Seigneur du Temps, de Gallifrey. Là où vient le Docteur, pour ceux qui n'auraient pas suivi la série. Ah, il y a un collectible là-dessus. C'est cool, ça. Hop, petit collectible. Ah, The Fifth Doctor, le cinquième docteur. Cool. Donc merci Saba pour la précision sur le fait que BIM veuille dire rayon lumineux, ce truc du chouette. Je m'en rappelais grâce à la chanson Jesus Don't Want Me For A Sunbeam. Voilà, c'est très intéressant ma vie. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-moi ce qu'il faut faire. Heureusement que je le fais pas en live ce jeu parce que... pauvre de vous, hein. Je serais déjà pas capable de parler avec vous et de jouer en même temps. Ça c'est juste pas possible. J'ai beau être une fille, c'est mort. On venait de par là, je pense. Alors je parle à Amy parce qu'ils disent que si on est bloqué, on peut parler. Alors c'est dans ruine mais il y a sûrement un truc d'utile là-dedans. Bon bah écoute Amy... The Dalekanium setting in a pool of polar acid. It can... Only des an electric charge. Ah, il y a un fact. Et bah, il faut du coup utiliser, je pense, le tournevis là-dessus. Non. These wires should connect the debris to the generator's zap of the sonic. Faut brancher le câble. Ah, il parle de Sonic, l'hérisson. All we need is a Dalek or two. Et maintenant, on a besoin d'un Dalek ou de deux Daleks. Bah oui, bah va trouver un Dalek, toi. T'es gentil. Ok, donc là c'est connecté, donc c'est branché en gros, on a branché avec un gros câble dans de l'acide. Je comprends pas trop le délire, mais bon, c'est le Docteur Who, hein, ça c'est... Once I access this control, I can activate the trap. Ah, il va activer la trappe pour faire du rap dessus. Je suis trop drôle. Voilà, donc il fallait utiliser le tournevis, ça c'est un peu logique. Docteur... Ah, elle disparaît encore. We've jumped time again. The chrono blocker won't work here. Just hold on, Amy. I can save you. I promise. Le chrono bleu. Ah oui, d'accord. Le truc qui a servi à empêcher qu'elle disparaisse dans le passé, non, dans le futur. Oh, je sais plus. Et bah du coup, il ne marche plus là. Ah, et du coup, paf, les Daleks. Stay with me, Amy.
I'm okay. Come on. We have to be ready for them. Il faut être prêt pour eux. Donc, gain access to security on the lower level. Donc maintenant, il faut qu'on aille à la sécurité au niveau plus bas. Ouais, un niveau plus bas. Parce que stop. That's a bargain knot over there. These vines have a deadly sting. To get past, we'll have to time it carefully. Il faut... Ok, donc il faut... Comment qu'on fait, en fait Donc il le fait, ouais, ok. Faudra passer vite, je pense. Je pense, hein. Sinon, si c'est pas ça... Ah, mais Amy... Ah non, c'est bon. Parce qu'Amy, faut quand même que tu me colles au cul si tu veux passer. Parce que là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Alors, donc attention, il y a un bain d'acide, là. Acide citrique. Loul. Allez, fais ton truc que je puisse passer. C'est pas très très beau, ces trucs-là. On le voit pas, ça, dans les épisodes. Waouh. J'ai eu peur. Ouais, ça, ils l'ont inventé pour le jeu, je pense. D'ailleurs, j'ai vu, ils vont apparemment sortir un nouveau jeu. Donc la BBC, hein, vu que c'est des jeux officiels BBC, ils vont en sortir un nouveau. Donc malheureusement, il ne sera disponible qu'en Angleterre, je pense. Hein, comme ceux-là, du coup. C'est pour ça que... ne sont pas trouvables, et c'est pour ça qu'on fait un let's play dessus, parce que c'est assez exclusif en France. Et donc bah, j'espère qu'on trouvera le moyen de jouer aux nouveaux qui vont sortir. Alors, moi pour moi il fallait prendre l'ascenseur, mais en fait apparemment pas du tout. Et bah on va continuer, mais il y avait quoi? Il y avait rien par là. Ah, il faut ouvrir la porte? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah non. Ok, donc... Hop. Ah non, je croyais qu'on pouvait aller là, mais pas du tout. Ah mais... Ah bah non. The lift won't work anymore. Let's look for another way down. Ok, merci Amy, parce que si je ne t'avais pas parlé, je n'aurais pas deviné. Donc l'ascenseur ne marche plus, il faut trouver un autre moyen de descendre. Ah bah je pense que ça va être par là. Ah, je suis trop con. Ah non, c'était Clan Talk. Ok, ça marche. Comme on voit pas trop ce qu'on vise, du coup, des fois il y a des trucs qui apparaissent, on se demande ce que c'est. Hop. Ok, donc là il y a un collectible. On le chope. Oh, c'est David Tennant. Saran, viens voir. Saran, vite Saran, regarde. Oh, très contente de l'avoir. Très très cool. Alors. Donc, here we are again. Donc, ah oui, d'accord, c'est exactement la même map, entre guillemets, que le début du jeu, mais dans le futur ou dans le passé. Je ne sais plus, je suis désolée, entre la semaine d'avant et là, du coup, j'ai du mal à suivre l'histoire d'une traite, sachant que je n'ai pas de mémoire. This is beyond repair. Alors, est-ce qu'il faut mettre le tournevis là-dessus? That's not going to work. Ok, ok, c'est vachement utile alors. Hein? Pourquoi tu me fais cliquer là-dessus? Donc là, faut encore passer. Allez, vite, Amy, vite, vite, vite. Ok, donc je pense qu'il faut aller à celle-ci vu qu'il y a un truc dessus. Enfin, devant, je veux dire, qui veut nous pécho. Allez, fais ton truc, voilà. Voilà, on passe. Hop, examiner. If I give this a boost, we may be able to restore power. Ok, il faut lui donner un petit boost pour qu'il ça fonctionne. Wow. Donc là, il se prépare à activer l'œil du temps. C'est le Dalek suprême, c'est ça, c'est lui. J'ai oublié son nom. We have to release the eye before the Daleks activate it. Then the natural timeline will be restored. The Daleks don't crash Earth, and Amy Pond gets born. Ok, donc faut en gros les empêcher de l'activer. Like I wouldn't have a plan. Ah oui, le plan a toujours un docteur. C'est connu. Ça ne veut rien dire. Ah, c'est dégueulasse ça par contre. Ah, le nouvel objectif c'est penser à un plan. Ok, bah écoute, on va réfléchir à ça. Ah oui. Et ça fait quoi si on le... Bad idea. Ok, faut pas utiliser ça. Ok, mec, ok. Ah, il y a un collectible là-bas. Je veux le collectible. Attends, je vais attendre Amy parce que... Elle est où? Ah, elle reste là-bas, d'accord. Bah, reste là-bas, écoute, fais la gueule parce que t'es... T'es plus née.
Mais... Ah bah Amy. Amy Pond. Amy Bassin. Parce que Pound, ça veut dire bassin. Je trouve ça assez drôle. Ok. Je suis un peu YOLO Tech Life. Est-ce qu'on peut aller par là? Dire-y, on ne peut avoir rien, puis un peu de sécurité. Alors, je pense qu'il faut encore utiliser ce tournevis. Ah non, même pas. Ok. Ok. Non, c'est pas ça que je vais faire, mais il a dit non. Mais non! What's that thing dangling out of the visualizer? Ouais, je sais pas ce que c'est, moi. Est-ce qu'on peut? Non. Ok, je vous avoue que j'ai pas trop compris, en fait, là, ce qu'il fallait faire, mais on va trouver, on va trouver. Parce que Amy reste là-bas, donc c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il y a un truc à faire dans le coin? On va essayer de trouver. Avec l'history. Super. L'histoire des Daleks. Magnifique. Donc, eux, ils marchent pas. Ok. Ah, je peux pas aller là, d'accord. Peut-être des trucs à récupérer, hein, je regarde, au terme. Je ne sais pas s'il faut retourner là-bas ou pas. Non, apparemment non. Ah, après, l'objectif n'est pas clair, hein. C'est, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il faut réfléchir à un plan. Oui, ok, mais bon, mais encore. Mais encore. Allez! Ah, par contre, le temps de réaction est un peu long. Là, jouer safe. Il sent comme ça. Dans la série. Ah, mais un truc là! Mais pourquoi? To the eye of every Dalek. If I can reverse engineer it, we can interfere with their vision. Ok, je vais interférer avec la vision des Daleks. Oh, I think I know what's coming. Could you pop next door and rustle me up a couple of things while I get started on this gizmo? Là, j'ai rien compris. What do you need? A cup of tea, chalky bickies. A Dalek gun and a Dalek eye stalk. I recommend okay, il a besoin de salvage rather de trucs Dalek pour pouvoir faire son boui-boui. Yeah, so good luck. Let me open this door. Ah bah là, il peut l'ouvrir bizarrement, hein? C'est marrant, ça. Prix de vision, destructeur. Ah, là, on joue Amy, du coup. Parce qu'il a besoin de trucs. Ah, c'est marrant, ça. C'est super cool qu'on puisse faire les deux personnages. Je pensais pas. C'est chouette. J'aime bien. Bon, après, est-ce que là... Non, elle a rien sur elle, par contre. Okay. Oh. Ah oui, comme elle est transparente. C'est pour ça qu'on joue Amy, en fait. C'est parce que elle peut être invisible. Et du coup, faut jouer là-dessus. Ah, je sais pas si son invisibilité est constante. Non, ok, elle revient des fois. Donc faut faire gaffe. Donc là, les Daleks sont partout, donc il faut faire attention. Après, si elle est invisible, normalement ça devrait le faire. Alors je passe par là, hein, mais je sais pas trop pourquoi. Oh, ok. Alors par contre son invisibilité, voilà, c'est un peu... On sait pas trop c'est quand, on sait pas trop comment ça fonctionne, donc... C'est un peu chaud. J'ai pas envie qu'elle réapparaisse d'un coup. Il va jusqu'où lui? Tu t'arrêtes là, dis-moi. Oui. Parfait. Ok, donc ça marche pas. Oh, ok, il y en a un là, mais je peux me cacher là. Non, je pense que le fait d'être invisible, c'est vraiment pour passer avec ces bestioles-là, quoi. Ces Daleks, à mon avis, peuvent nous détecter. Ah, je fais... Je sais pas trop où je vais, mais je tente. Ouah. Ouah. Ah, je pense que là-bas, il y a un truc. Oui. Là, l'œil de Daleks. Oh, ok. Maintenant, il faut que je trouve le beam distributeur. Alors, le distributeur de rayons, si vous avez bien suivi. C'est exactement ça.
En fait, il veut refaire un œil, quoi. Ah, mais oui, c'est ça, il veut refaire un œil. Le gros œil du début. Non, c'est bon. Là, j'ai eu chaud. Je vous l'avoue. J'ai fait un peu la thug. Par contre, pour passer après... Il faut aller assez vite, je pense. Il faut aller vers la boîte, là. Les gueules qu'ils ont. Non! Je sais pas si je vais réussir à me cacher. Je pensais pas qu'il allait me voir. Franchement. J'étais accroupie, wesh. Ouais, j'ai eu de la chance. Ouais. Je sais même pas si je peux sortir de là. C'est cool. Là, ça va être chaud. Je vous avoue, c'est tendu du slip. Ok, on va essayer d'avancer. Son rayon, il va jusqu'où, lui? Ah ouais, quand même, je fais des demi-tours comme ça. Et en plus, il y a des trucs comme ça qui me font chier. Ah, faut que je me méfie des caisses comme ça, parce que... Ah ouais, putain, c'est exactement ce que je viens de dire. Oh. c'est pas moi, je suis pas là. C'est faux. Je suis pas là. Voilà. Et accroupis-toi, s'il te plaît. Ouais, merci. Eh, je gère. Franchement, je gère. Ah, faut le dire, je gère. Lui, il est cassé. Eh, il y a peut-être un truc sur lui, attends. Ah non! Non! Attends, on va faire le tour, parce que là... Je sais plus jusqu'où il... Ah non, il s'arrête, je suis... Ah, c'est chiant les trucs comme ça. Ah non, je pensais qu'il y avait un truc sur lui. Parce qu'il y a un peu des... Oui, c'est un rayon qu'il nous faut du coup. Donc ça serait, le... je pense, l'arme en fait du Dalek. Sur un Dalek cassé. Enfin, cassé. Ça doit fonctionner encore son arme, mais... Ah bah là, oh, je suis trop forte, c'est trop ça quoi. Dalek Gun. Ah oui, il l'a dit, je suis con. Pardon. Donc là, faut qu'on retourne vers le docteur. Alors, où est-ce que c'était? Je ne sais plus. Je ne me rappelle pas, c'est bien. Allez, fais pas. Voilà, c'est bien. Ah, c'était la porte là, non? Pas du tout. C'était là-bas. Merci Sarah. Parce que Sarah, lui, il a sens d'orientation et pas moi. Donc c'est pratique. Wap! Hop, 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 hop. Wap, hop, hop, poup, poup, poup. Ah, c'est vers là où il y a la console, non? Non? J'avance. Ok, j'avance. Ah, oui, il va me... Je suis bête, il fait demi-tour. Il fait demi-tour. Alors j'espère que ça va sauvegarder au moment où j'ai tout trouvé. Normalement oui, oui. Ok. On va y aller à jouer plus safety là, parce que... Safety. Plus safe. Ça, ça n'allait pas du tout. Ouais, pour l'instant, j'utilise pas trop en fait l'invisibilité des mi entre guillemets, puisque autant attendre, c'est pareil quoi. Allez hop, il fait demi-tour, faut le suivre. Et ça va être là, oui. Ah, attends. Je crois que c'est par là. Par là. Ah, c'est après. Ah! Putain, je vois rien! C'est bon. Ah, Saran, aide-moi, sois plus clair dans tes explications, je ne comprends pas. Est-ce que Saran y met parce que je suis nulle? Par là, d'accord. Donc on va attendre qu'il fasse demi-tour, lui.
Comme ça, on va pouvoir passer. Coucou, tu veux voir ma bite? Amy qui dit ça. Quoi? Ah oui, d'accord, je vois la porte, c'est bon. Je m'en souviens. Ça y est. C'est fou, hein. Moi, il me fouille un plan sur dans les jeux. Glad that's over. Ouais, bah, that's over, mais bon. Attention, il y a des bêtes là. Calme-toi, Amy. Hop, je suis invisible, c'est bon, ça passe. Hop. Il est là, il n'a pas bougé. Brilliant. You found both of them. Yeah. Let's get to work. Allez, au boulot. Donc, assemble Vision Disruptor. Donc là, il faut construire le Vision Disruptor en machinant les trois composants à travers la... Bon, ça peut... Voilà, le champ de force, comme d'habitude. C'est le même principe que l'autre fois. Donc là, zen. On se concentre. I can do it. Ok. Ils ont tous des vitesses différentes, si vous l'avez vu. Ouf. Merde, j'avais oublié que je lui passais par là. Ah ouais, faut recommencer à zéro. En fait, à chaque liaison, il passe quoi. Tout simplement ça. Y a rien de compliqué. Le celui du milieu est assez chiant, hein. Je tiens à le dire. Oh, voilà, il y a eu un petit bug, j'ai eu de la chance quand même. Okay, voilà, il passe forcément par. Lui, il est super rapide, il est chiant. Voilà. Voilà. Le dernier est tout là-bas, ok. Ok. Oh non! Putain, je suis deg. Parce que comme je regarde les rayons, du coup je regarde pas trop où je vais. C'est un peu con. Mais ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Voilà, j'aurais pu passer, j'avoue, mais je préfère la jouer safe. Là, pareil, j'aurais pu passer, mais je la joue safe. Là. Le dernier. Non, je suis con, quoi. C'est pas possible. Ça m'énerve. Ça commence à m'énerver. C'est trop chiant. Ah, je reste appuyé, mais je crois qu'il faut rester appuyé. Hein, parce que sinon, je crois qu'il revient le tester. Ouais, allez, pause. Je les mets toujours au même endroit, comme ça. Je me trompe pas. Hop là. Hop, hop, hop. Ok. Allez, on va la jouer un peu YOLO. Et pas trop. Voilà. Look at my dad, bitch, dad. This will blind the dark. Ça va rendre les Daleks aveugles. Well, it's range is limited. Unless I can fit it into the cradle of the old emperor. That will take out every Dalek in the chamber. Ouais, je comprends pas trop, donc je vous traduis pas. So strange. Là, elle dit qu'elle est Docteur Strange. Lui dit, mais non, tu n'es pas Docteur Strange, ça n'a rien à voir, c'est dans Marvel. Open the eye. Ouvrez l'œil. Alors. Ah, en gros, elle dit qu'elle est meilleure en tir. Hé hey. Ah non, d'accord.
Get up to that. Donc il faut aller jusqu'à l'empereur Dalek. Il faut du coup rendre aveugle les Daleks. Mais comment on fait? Faudrait bien qu'on m'explique avant. Ils sont gentils. Ok. Ah non, je comprends pas. Je sais pas. Ah, attends. On l'a peut-être dans notre. Ha! Ok. Donc faudra faire ça à chaque fois? Wouah! Bah, raser les murs. Mais non, mais c'est pas possible. Je suis passé tout à l'heure, comment j'ai fait? Ok, là y'a plus rien. I'll take it slow. Ça a trop bugué! Ça me énerve, ça bug! Non, mais ça bug! C'est bon là! Arrête de bugger! Merde ça! Je pense que d'ici je peux l'avoir. Ah non, pardon, non. Je sais pas en fait jusqu'où il faut aller. Non mais arrêtez, ça m'énerve ça. I'll take it slow. Je peux m'amuser toute la journée à faire ça. Avec la musique qui démarre, il s'arrête. Better stay low. Voilà, ok. Ok. Voilà. Ah, mais ça a changé de musique, c'est pas juste. Non, là ça marche toujours pas. Faut s'approcher, mais pas trop parce qu'il va me voir en fait. Je trouve ça pas du tout logique. J'essaye, hein, mais. Bah. Bah oui, mais non. Je ne comprends pas comment il faut faire. Ah, ou peut-être faut aller. Ah, sur la console. Ah ouais, mais ça va être chiant ça. Mais c'est chiant pour passer là en vrai. Son faisceau il va partout. Ouais, il bug un peu, mais. Allez, on va tenter ça. Ah, ok. Bah, Daddy. Une tuerie. Ouais, bah, il faut que je me dépêche, mais ça marche pas. Hey! Ah, wesh, je me suis fait chier à venir jusque-là. Pour rien. Bah, on va essayer. On va faire le tour. D'accord, là, il sert plus à rien, son truc. Ok. On peut pas viser. Clic gauche. Non. T'as un truc à faire. Ah, merde. Ah, je sais pas s'ils vont m'oublier là ou ils sont cons. J'allais peut-être en haut. Attends. Soit tu me tues, soit. Oh, thank goodness for that. Ok. Je vais peut-être aller en haut alors. De toute façon, faut essayer partout. Hein. I'll take it slow. Ouais. Avec la musique qui bug, c'est trop drôle. La musique elle commence puis elle s'arrête. Doudou. Après, c'est. Non, je peux monter par là. C'est un peu chiant parce que faut pas que j'aille trop près. Ah mais lui là, les ceux qui font ça là, ils sont hyper chiants. Parce que il faut se dire que c'est. Ah oui, mais comme je suis invisible. Ah ouais, faut que je joue sur le fait que je suis invisible. Ok, on va aller voir en haut ce qui se passe. C'est un truc en haut. Parce que oui, du coup, comme il y a le suprême Dalek en haut, je suis con. C'est sûrement ça. Il y a une console. Ah. Climb. Ah oui, ok. Directement dedans. Nickel. T'as les courageuses amis quand même. This had better work, Doctor. Eh, vaut mieux que ça marche, c'est clair. Parce que là, on s'est embêté à venir jusque là, hein. I've got to destroy those magnetic field generators to free the eye. Ok, donc maintenant il faut détruire ce générateur de force pour. Ah, c'est chaud. Du coup, il tire partout, c'est trop con. Ok, il faut que je shut down le générateur. Par la console. Ok. Donc, comment je fais? Bon, après, ils tirent tous au même endroit, j'ai envie de te dire. Mais... ils sont trop en panique. Peut-être faire le tour. My vision is impaired. Exterminate.
My vision is impaired! Ouais, bah, vous gagnez, vous gagnez. Exterminate. Exterminate! Yeah! I cannot see! Exterminate! Ils sont trop en panique! C'est trop drôle! J'ai jamais vu des Daleks en panique comme ça, quoi. Attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Faut que j'aille quelque part? Ah, au générateur! Il est où? En plus, j'entends bip bip, j'aime pas ça moi. C'est là que j'ai du temps. Ah oui, mais je fais comment pour passer là? Je peux pas monter. Ah, ça explose! Ouais, bah, ouais, j'ai raté. Alors attends, faut que je sache où aller. La fille qui n'arrive pas du tout à réussir un truc du premier coup. Ça va être par là, je pense. Bah oui, ça se voit, c'est par là. Ça va, on a du temps quand même. Par contre, y'a rien qui est affiché, donc c'est chiant. Allez, cours, docteur, cours! Ouais, c'est là. Ah! Ah, je suis ami, on s'en fout. C'est pas ça! Non. Ah, d'accord, ça y est, tu peux parler. C'est pas logique. Ah, fallait re-sauter dedans. That's why I called door to door. Stay steady, take it easy. Porte à porte. C'est drôle. We did it. On l'a fait, ouais. On a réussi, yeah. This is Kalan as it should be. Voilà, ils sont à Kalan, en ruine. But how did we get here? C'est censé être. The eye just spat us back to the point where we entered it. Donc là, ils nous ont ramené là où on était. Et du coup, ils vont retourner sur Terre, voir. Ils vont aller vérifier, bien sûr, si sur Terre c'est bien comme il faut. Donc en 69, qu'il y a bien les Beatles, qu'il y a bien Woodstock, qu'il y a bien. Ah non, c'est 63, pardon. Parce qu'on disait justement que c'était l'année de création de Doctor Who. Donc la dame est là, elle est vivante. Bien. Elle voulait rencontrer Ringo Starr, le batteur des Beatles. Voilà, on a fini le bah nickel, comme ça on a fini l'épisode là-dessus, c'est parfait. On a fini le premier chapitre, donc on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour le deuxième chapitre, espérant que bah, il soit aussi cool que celui-là, parce qu'au final celui-là est cool. Après c'est vrai que c'est très court comme chapitre, mais bon, c'est sympa à faire. Et puis comme ça, le Let's Play ne va pas durer un milliard d'années, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !